La fébrilité des fils et filles Bamoun est palpable dans la cour du palais royal de Foumban ce dimanche 10 octobre 2021. Et pour cause, tous attendent impatiemment de faire enfin la connaissance du successeur du trône, laissé vacant par feu sa majesté Ibrahim Bomboun Djoya, de regrettée mémoire. Le roi qui arrive, nous avons désormais le droit et le devoir de lui faire toutes nos allégeances et de continuer à l'encadrer pour que le règne et la dynastie charéenne soient toujours plus forts que jamais et que l'histoire du peuple Bamoun reste celle que tout le monde entier connaît aujourd'hui. C'est un moment où il faut être témoin de l'histoire. Donc le compte à rebours a commencé. Il ne reste plus que quelques minutes pour la sortie du prince héritier, nouveau roi des Bamoun. Que la volonté du défunt sultan soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite et qu'il y ait la paix. À l'apparition de celui-ci, accompagné de la reine-mère, c'est l'explosion de joie. Sa Majesté Fonrifoum Bomboun Djoya Mohamed Nabil devient ainsi le 20e roi de la dynastie Bamoun, fondée par Charyène au 15e siècle. Âgé de 28 ans, administrateur civil, chef de division des affaires administratives et juridiques des services du gouverneur de la région du Sud, le monarque aura la lourde responsabilité de continuer les œuvres de son père et maintenir le socle culturel et traditionnel Bamoun. Le roi est mort, vive le roi!